Las diferentes pruebas en los Juegos de Río trajeron consigo el desafío de cronometrar a los atletas más rápidos del planeta. Si vous reprenez un peu l'histoire, Omega a commencé à être chronomètre officiel des Olympiques en 1932 à Los Angeles. Nous avions envoyé un horloger avec 30 chronographes. Il y a eu ensuite une révolution dans le domaine du chronométrage sportif. Où en effet on a pu éliminer les temps de réaction humains et le remplacer par de la technologie. Ceci a par contre pris quasi deux décennies. Et en natation, en 1960 à Rome, c'était la dernière fois où des juges ont chronométré les compétitions à la main. Sur chaque ligne d'eau, il y avait chaque fois trois juges qui prenaient le temps de chaque nageur et ils utilisaient la moyenne ensuite pour fournir un temps final. Et il y a eu cette fameuse course où les juges ont chronométré des temps différents, la moyenne était différente et le juge final qui avait le pouvoir de décision ultime à ce moment-là a pris une décision en défaveur d'un athlète qui aurait dû gagner. Par contre, cet athlète-là a été donné le record olympique. Par contre, la médaille d'or a été donnée à l'autre athlète. Donc, c'était la dernière fois et ça nous a aidé aussi à comprendre qu'il fallait qu'on développe une technologie spécialement pour la natation, ce que nous avons fait. Et en 1968, on a eu les premiers touchpads en natation qui ont servi ensuite aux athlètes afin qu'ils puissent arrêter leur temps eux-mêmes. Calcular los tiempos de los atletas más rápidos del planeta exige cada vez más una mayor logística y tecnología, así como enfrentar nuevos retos para no solo saber quién llega antes, sino si todos arrancan al mismo tiempo de la línea de salida. Todas las tecnologías son desarrolladas para todos los atletas. Donc on doit avoir une largeur de technologie extrêmement importante pour servir toutes sortes d'athlètes. Con información e imágenes de Heriberto Araujo. Corresponsal en Brasil. Notimex.